Voici le texte que je montre à vos téléspectateurs. Il est bien signé à la mine El Hadj Ousmane Mey, président du conseil d'administration. Ce texte donne à monsieur le DG de la CRTV, de la CNPS, vous allez voir, comme salaire 3 750 000 francs CFA. L'eau, la lumière, l'électricité et tout cela, nous avons calculé, cela vous donne des sommes incroyables. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a décidé, M. Mokoulou. Enfin, tous ses avantages et tout son salaire arrive à une somme de 23 700 000 quelque chose. C'est ce que nous avons écrit dans la tribune de l'Est de... Voici l'édition que je vous ai gardée sous le titre « Non, trop, c'est trop ». Monsieur Mokoulou Vondor, le 26 décembre 2008, accorde une somme, c'est un marché avec appel d'offres qu'il faut, une somme de 19 850 000 francs CFA à Saucin, Douala, j'ai repéré ce magasin hier, BP 860, Douala, pour la fourniture des cadeaux à offrir à certaines personnalités. 19 millions de l'argent des retraités, ce n'est pas prévu dans les textes que j'ai amenés. Monsieur Roger Mila, son ami, va se promener à la CNPS un jour, déblocage de la somme de 500 000 francs pour Monsieur Roger Mila. Voilà. Monsieur Alphonse Béni, cinéaste, réalisateur, producteur. Le directeur général lui accorde le déblocage d'une somme de 1 500 000 pour réaliser un film Red Bad Boy. Voilà, 1 500 000. L'argent des retraités qui n'ont pas de pension. Voici maintenant quelque chose de plus grave. Le directeur général, le 3-2-2009, autorisant le déblocage d'une somme de 30 millions de francs CFA au profit de l'Agence des régularités des marchés publics. Pourquoi 30 millions. Groupement des femmes d'affaires du Cameroun. Les femmes d'affaires du Cameroun vont se promener là-bas. 4 millions. L'Alliance Club International, 1 200 000. C'est écrit déblocage, c'est des dons. Canon de Yaoundé, Mokog Mongonda. 2 millions. Le 13-5-2011, le directeur général de la CNPS autorise le déblocage d'une somme de 14 708 500 francs au profit de Mondo Tour Voyage. Au titre de... Je préfère que vous oubliez tout ce que j'ai d'abord dit avant pour écouter ce que je vous lis là. Le déblocage d'une somme de 14 708 500 francs au profit de Mondo Tour Voyage. Regardez si ce pays est encore un pays normal. Que quelqu'un prenne 23 amis pour aller regarder la coupe, le match Real-Barça. Lisez. Le classico. Lisez. Dans un pays où on meurt de quoi encore. Dans un pays où il manque les hôpitaux. Dans un pays où on meurt, voilà, ici en haut. Maintenant, le carburant du directeur général. Le 1er 4-2011, autorisant le déblocage de la somme de 14 300 000 francs de Tradex BP6845 pour la fourniture du carburant. Je vous donne ça. Même si vous prenez l'hélicoptère pour aller dans votre bureau, le directeur général a combien? 1500 litres de carburant d'essence par mois. Vous ne pensez pas que c'est trop, Serge? Pour quelqu'un qui habite à Yaoundé, 1500 litres d'essence.